Salut, mon très cher Sagittaire ou ma très chère Sagittaire. Je suis là, ici, avec toi, pour te passer un message clair, simple, synthétique, à travers le tarot noir, qui va nous guider pour clarifier certaines de tes pensées, certaines de tes ressentis, et pour renforcer la confiance en toi. Au moins, c'est l'intention pour laquelle cet tarot s'est fait. Et puis, on y va. Je vais mélanger les cartes. Et maintenant, je vais faire la coupe des cartes ou les messages. Sera. Ok, je le savais, je les voyais venir. Parce que je les vis dans, je les vis dans les cartes. Alors, ton tirage. Les 6 d'épée et le chariot. Les 6 d'épée veut faire les choses plus simples et veut chercher la manière de vivre de manière plus simple, plus léger, faire la vie plus légère. Et pour cela, peut-être tu es en train de penser, à certaines, à bouger, à faire certains mouvements dans ta vie, à bouger, déjà à changer la position dans ton esprit, à commencer à te permettre certaines nouvelles visions, et peut-être tu es en train de penser que c'est le moment de faire ce que tu voulais faire depuis quelque temps, que tu as déjà bien réfléchi, que tu as bien eu déjà des obstacles et que quelque part de toi tu n'es pas satisfait parce que tu te sens battu intérieurement, parce que tu n'es pas réussi à faire ce que tu voulais. Et maintenant peut-être c'est le moment de sortir à faire ce voyage, de sortir à essayer encore une fois ou par première fois à aboutir en ce que tu veux. Peut-être que tu ne sens pas exactement la motivation pleine, c'est assez vague peut-être. Mais il y a quelque chose qui te pousse vraiment à bouger de là où tu es, à trouver un autre horizon, à trouver une autre raison de vie, parce que aujourd'hui ça commence à ne pas être assez. Tu as besoin de bouger et tu le sais que tu finiras pour bouger. Si tu veux, je vois ici que tu dois changer ton cycle de vie. C'est ton cycle de vie qui te pousse au changement que tu es en train de penser. En fait, je pense que les circonstances sont en train de s'ordonner toutes seules et de te pousser petit à petit à changer ta pensée. Changement de cycle, nouvelle phase. Il faut laisser les passés en arrière et avoir le courage de se faire et conquérir un nouveau monde
et se lancer un nouvel horizon. Donc oui, ce que tu ressens est certain. C'est le moment d'agir, c'est le moment de partir à la réalisation de ce monde que tu as en toi. C'est le moment de pouvoir te permettre une vie plus facile, plus simple. C'est le moment de te permettre un changement de position. Voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui, en espérant que ça t'aide. À très bientôt, mon très cher, ma très chère.